Alors Michel, on a un peu plus caméra libre, comment ça se passe? Et bah pour l'instant ça se passe super bien, conditions météo un peu délicates, on a tenté les slicks ce matin, on a refait encore un petit écart, les routes étaient encore pas mal mouillées, mais bon là maintenant avec le soleil qui est sorti, je pense que ça va être sec, on va essayer de garder le même rythme jusqu'à la fin. Le deuxième est à peu près à 20 secondes, donc pour l'instant on peut pas espérer mieux, Meryl on se régale, tout va bien, donc on va essayer de finir comme ça puis on verra. Qui avait bien démarré et là je suis en train de perdre beaucoup de temps sur les quatre roues motrices. Bon, et puis un mauvais choix de pneus. Je vais remettre les slicks et puis il va falloir envoyer la godasse quoi. Bon, ça c'est pas trop mal, tu te retrouves deuxième quand même. Il y a moins d'écart, hein. Il y a plus que 2 secondes d'écart sur Pipo et Crozet. Enfin, 2 secondes, 2 secondes 3, mais je vais essayer de remonter ça tout de suite, pas les laisser s'échapper et puis voilà. Il va falloir rouler dans les 3 dernières alors. Voilà, déjà ce premier tour il va falloir rouler quoi. Allez, impeccable. Merci. Christian, tu te retrouves troisième, pas loin de la deuxième place? Ouais, pas loin, donc les frères Vialet ont fait un mauvais choix de pneus, enfin un mauvais choix, ils ont mis ce qu'ils avaient, donc ce qui m'a permis de revenir sur eux. Donc là, malheureusement, Poupeau apparemment est hors course pour le poids de sa voiture, ce qui est un peu dommage, et voilà, donc on se retrouve sur le podium, on va essayer de aller chercher la deuxième place et puis en se faisant plaisir.
s'amuser, faire une petite prise au Trièvre. On a la Mégane qui est en révision normalement pour aller à la finale à La Rochelle. Donc essayer de venir marquer encore quelques points. On s'amuse un petit peu. Donc ouais. Faire du spectacle. Faire un peu du spectacle. Ça se coupe un peu des piquets là-bas. T'avais besoin de faire un barbecue, il y a des piquets là-bas. Bah, faut rentrer comme ça, c'est très bien. Ouais, ouais, ça va très bien, on est devant l'air 3. Donc ouais, c'est comme notre petit objectif. La Clio est à vendre, donc c'est pour faire voir qu'elle peut être devant l'air 3. Donc voilà. Allez, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Bah ouais, faut bien la ressortir un jour, mais bon, pour le moment c'est pas concluant. Ça marche pas des masses comme tu veux? Non, ça marche pas comme je veux, le bonhomme un peu en dedans, 2-3 soucis sur la voiture, bon bah c'est pas grave, ça ira mieux le prochain rallye. Le prochain c'est quoi, la Chartreuse? Chartreuse. Avec la BM? Je pense, si j'ai trouvé le problème, oui, autrement avec la Mégane. Allez, super, t'as...